Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Deuxième épisode de notre super concept, comment se faire un home gym, ou du moins se créer un home gym, mais à 200 euros cette fois-ci. Alors je suis très content parce que le premier épisode, se créer un home gym à 100 euros, il a bien marché et merci beaucoup. Au niveau des commentaires, au niveau des likes, au niveau du watch time, beaucoup de gens étaient intéressés et je vous remercie par rapport à ça. Comme je l'ai dit, on va continuer jusqu'à 1000 euros. Et si vraiment il y a l'engouement encore plus, eh ben on va peut-être monter. Mais là, on va se créer des salles de sport. Là, on va partir dans le délire. On va partir dans le rêve, clairement. Bon, là, tu te doutes bien qu'on va garder ce qu'on a dit pour la première vidéo, c'est-à-dire les haltères, la barre de traction. Et après, il me semble que j'ai mis des élastiques et des poids chevilles. On va se garder ça, d'accord? On va se garder ça et on va rajouter qu'une seule chose, d'accord? Cette vidéo sera rapide pour 200 balles parce que, voilà, pour 200 balles, 200 à 200, il n'y a pas de grande différence. Mais ce que je t'ai choisi, c'est vraiment l'élément qui va faire en sorte que tes séances seront agréables. L'élément qui va faire en sorte que pour certains groupes musculaires, ça va te débloquer plein d'exercices, c'est le banc. Et j'ai trouvé un banc inclinable de musculation à 100 euros pile. Incroyable. En fait, je t'explique. Ce banc, quand je l'ai trouvé, je me suis fait « Mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant ?» Pour mon achat personnel. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un banc, tu vois, j'ai un banc abdos. Le banc avec lequel on fait nos programmes ensemble. Et ben, de base, je cherchais un banc comme ça. Mais ces bancs-là, à l'époque, ils étaient à 200 balles, à 300 balles, à 159 euros, à 179 euros. C'était cher. C'était cher pour moi. C'était incroyable. Mais là, à 100 balles, je me dis, pourquoi pas? C'est se dire que même là, quand j'ai trouvé le banc, je me suis dit, est-ce que je l'achète avant d'en parler? Tu vois, parce que c'est incroyable. Après, voilà, j'ai pas cherché d'autres bancs sur d'autres sites et tout, mais je pense qu'on peut trouver des bancs moins chers. Mais là, pour un banc inclinable, c'est incroyable. C'est pas un banc droit, d'accord? Parce que des bancs droits, il y en a plein, des pas chers et tout. Mais là, c'est un banc inclinable. Avec un banc inclinable, tu peux faire plein d'exercices. Il y a plein d'exos qui vont se débloquer. Tout d'abord, tous les exos pec en incliné, ils vont se débloquer. Tu pourras cibler la partie haute des pecs et tu seras plus à l'aise. Bon, quand tu vas faire tes exos pec, tu vas les faire sur le banc aussi, sur banc droit ou banc incliné. Tu seras bien, tu seras plus agréable, tu seras dans le confort, tu pourras descendre plus bas, avoir plus d'amplitude que sur le sol. C'est beaucoup mieux dans des exos dos. Tu peux faire du bûcheron comme je le fais en prenant appui sur le banc, même si que tu peux prendre une chaise ou le canapé ou voilà, mais avec le banc, tu seras beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Tu peux incliner le banc et faire des exos très intéressants, comme par exemple des exos biceps où tu mets ton buste sur le banc, d'accord? Et tu fais ton curl biceps avec les haltères, t'es très, très bien. Tu peux faire aussi le même mouvement où tu as le buste sur le banc, mais tu fais des élévations latérales pour travailler l'arrière de tes épaules, du oiseau halter, ça c'est très très bien. Il y a d'autres exos aussi, mais un banc, c'est incroyable. Et pour moi, c'est indispensable à l'évolution en musculation. Parce qu'admettons, tu as des haltères, d'accord? Tu as le premier kit à 100 euros que je t'ai dit. Ben, au bout d'un moment, ça va te faire chier de faire des séances et de pas évoluer. Tu vas te dire, il me faut d'autres exercices, il faut que j'aille plus loin quand je fais mon développé couché. Voilà, j'ai envie de sentir des sensations différentes. Et ben, ce banc, il va te ramener à des sensations différentes et il va te faire évoluer. Après, de toute façon, je dis ce banc, d'accord? Mais on parle d'un banc inclinable. C'est-à-dire que si tu trouves un banc inclinable, que ce soit en occasion ou peu importe, prends-le. Et si à moins de 100 euros, prends-le. C'est pas ce banc-là spécifique qu'il faut prendre. C'est un banc inclinable. Meilleure solution. Maintenant, je vais un peu revenir sur les commentaires, sur ce qu'on s'est dit, histoire que cette vidéo ne soit pas trop courte non plus, parce que merci beaucoup, vous avez participé, vous avez dit des endroits où on peut trouver des choses, et ça, c'est bien, et ça, je vous incite, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires,
Si vous trouvez du matériel, des choses, des occasions, des trucs, dites-le en commentaire. Ça va aider beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, qui ne commentent pas, qui ne likent pas, qui ne s'abonnent pas, mais qui regardent quand même et qui ont besoin d'informations. Donc, il faut penser à ces gens-là aussi, d'accord? C'est important. Et je sais de quoi je parle parce qu'avant, j'étais quelqu'un comme ça, d'accord? Qui regardait les vidéos, pas de like, pas de commentaire, mais j'aimais bien et je revenais souvent voir ces personnes-là, tu vois? Maintenant, c'est différent parce que je fais des vidéos et voilà, je donne le soutien. Alors, moi, dans tout ce que j'ai noté, tout ce que j'ai regardé, mes propres recherches, Le Bon Coin est beaucoup ressorti. Le Bon Coin, c'est très, très bien, Le Bon Coin. Parce que tu trouves des occasions où c'est des gens qui veulent se débarrasser, tu vois. Donc, tu peux vraiment avoir des machines de qualité et des poids pour peu d'argent. Et ça, c'est bien. L'inconvénient du Bon Coin, c'est que hormis tu sais pas par qui c'est passé, dans quel état ça va être et tout, eh ben faut avoir la chance, d'accord? Parce que pour ceux qui habitent dans des zones peuplées, c'est bien. Zones non peuplées, ben voilà, faut aller un peu plus loin. Et il faut que l'annonce, eh ben, faut pas que quelqu'un passe avant toi, tu vois, parce que ça va vite. Le vendeur, il va vendre au premier venu, il veut s'en débarrasser. Donc, faut aller très, très vite. J'avais vu récemment aussi, sur Le Bon Coin, mais c'est parti vite, une salle de sport qui vendait tous ses équipements. En fait, je t'explique. La salle, elle a fait faillite. Ou elle s'est fait racheter par un fitness park, je pense. Et elle a revendu tous ses anciens matériels. Ses anciens haltères, ses anciens vélos, ses anciens bancs. Plein de choses, même le sol, les tapis et tout, elle a tout revendu sur Le Bon Coin, en détail à chaque fois. Et ça, y a, bah, les gens, ils se sont jetés dessus, d'accord? Des haltères de 30, de 40, hop, tu prends ça et t'es tranquille. Même si que je trouve ça débile de prendre des haltères aussi lourds, personnellement, à part si t'as plein d'haltères et que t'as un musée chez toi. Mais les rondelles, les disques, c'est très, très bien. Les barres olympiques, c'est très, très bien. Donc ça, sur Le Bon Coin, si tu en trouves à bas prix et tout, prends-les, je t'invite à les prendre. Tout ce qui est bar, halter, disque, surtout, banc, ça, je t'incite et je t'invite à aller voir de temps en temps sur Le Bon Coin. Franchement, j'ai regardé un peu sur Amazon. Parfois, il y a des trucs cool, parfois, il y a des trucs chers. Donc, faut avoir la chance, d'accord? Parce que sur Amazon, parfois, il y a des promotions, il y a des réductions. Et en parlant de réductions, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais les soldes arrivent. Les soldes arrivent. Donc là, il faut vraiment se lancer sur Internet, achat en ligne ou en magasin. Il faut se lancer parce que les gens vont se battre pour acheter des poids. On parle de confinement, mais bon, je ne pense pas que ça va venir. Mais bon, troisième dose et tout, passe vaccinale. Les gens, ils vont se battre pour avoir chez eux, leur home gym. Donc, pendant les soldes, ça peut être intéressant, vraiment. Et je finirai cette vidéo par une anecdote qui m'est arrivée, tu vois, qui m'est arrivée, qui est drôle et pas drôle à la fois. Il y a une salle dans la région où je suis qui s'est fait braquer, clairement, hein, s'est fait braquer. Alter, vélo, machine, bar et tout, incroyable. Hein. Ils se sont fait braquer. Et il y a un mec sur Instagram, un mec qui s'entraîne dans les environs, comme moi j'ai déjà vu à la salle, et il me dit « Ouais, salut mon gars, je vends le matériel de cette salle qui a été braquée. » Tu vois, il me dit ça normal, d'accord? Il me dit ça normal, je lui dis « Mais t'es fou ou quoi de me dire ça sur Instagram ?» Tu vois, moi, il m'envoie un message, je supprime les messages, tu vois. Il me dit « Ouais, non, je le vends, t'inquiète. On va pas se mentir, c'était des bons prix, d'accord ?» C'était des espèces de trois haltères à 10 balles, un truc comme ça, pour que ça part vite. J'ai pas cédé à la tentation. Parce que moi, je te casse pas, j'avais chaud. Je me suis dit, si je fais des vidéos, des entraînements à la maison avec les mêmes haltères qu'à la salle de sport, les technogym là, bah forcément on va me dire que je suis un voleur, j'ai volé les poids de la salle. Surtout si c'est des petits poids, parce que les petits poids ils sont faciles à voler. Et à chaque fois dans des salles, tu vois que les petits poids en général, il en manque un ou voilà. Parce que les gens ils les volent.
Ils viennent avec leur sac, ils le mettent dans leur sac et ils partent avec. Parce que c'est très facile pour eux. Donc j'ai peur que... Voilà, j'avais peur, clairement j'avais peur. Je me suis dit, je vais pas le prendre. Mais j'étais tenté de fou. Surtout pour prendre un banc technogym. Parce que je me suis dit, là, à la maison, j'aurai le même banc de la salle. Le même. Pas indifférent, le même. Tu vois, sachant que les bancs technogym, ils sont très, très bien. Les bancs où tu peux incliner et tout. Donc, voilà, c'était marrant, j'ai rigolé. Mais j'étais très, très tenté aussi. Mais il faut faire attention, il faut vraiment faire attention. Je vais faire mes recherches encore sur quelques sites cool et tout, où on peut trouver du matériel. Si tu connais un site où on peut trouver du matériel, je t'invite à le dire dans les commentaires, ça va aider beaucoup de personnes. Parce que voilà, on est là pour créer un home gym, on est là pour s'améliorer. C'est important, comme on va faire des programmes ensemble aussi, on va aller plus loin. Il faut que tu sois équipé. Parce que beaucoup de personnes auront mes programmes en disant « j'ai pas d'alter, j'ai pas ci, j'ai pas ça ». Sachant que j'essaye de faire en sorte de bosser avec le moins de matériel possible. Donc, sois équipé, c'est important. Bon, sur ce, moi, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et n'oublie pas, il y a le lien MyProtein pour toutes tes commandes. Ou si tu veux voir un peu ce qu'ils ont, ben, va sur le lien, d'accord? Va sur le lien, c'est important. Et mets le code DAMS pour avoir moins 45% de réduction. Il y a aussi le lien Discord. Si tu veux rejoindre la communauté, poser des questions et tout, on est ensemble, on est bien, ok? Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'd be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.